dès que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelques moments le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, ils songent à ce qu'il peut donner au jour entre le 10e et le 12e coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Il cherche la philosophie d'avant-midi.